RMC, Dupain quotidien. Marie Dupain, bonjour Marie. Bonjour. Marie, c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui préfèrent l'argent liquide. Il va bientôt coûter plus cher de retirer de l'argent aux distributeurs de billets, c'est-à-dire qu'on va payer. Quoi. Oui, déjà plus. Aujourd'hui, vous savez, oui. Si vous retirez des espèces dans une banque qui n'est pas la vôtre, c'est gratuit, mais au-delà d'un certain nombre de retraits par mois, c'est payant. Oui. Hein, ça peut être 4 retraits, 5 retraits, 6 retraits, ça dépend de votre contrat avec la banque. Et une fois passé ce seuil, effectivement, à chaque fois que vous retirez de l'argent, ça vous coûte 1 euro. Ça ne dépend pas de l'argent retiré. De la somme retirée, des sommes retirées. C'est le nombre de fois où vous retirez. Et c'est un contrat avec votre banque. Donc si voilà. Vous retirez 10 fois de plus que ce seuil, ça vous coûte quand même 10 euros. Il vaut mieux par retirer d'un coup 200 que 4 fois 50 euros. Exactement, ça va vous coûter 50, ça va vous coûter 5 euros si vous refaites ça. Ouais. Et non seulement vous versez de l'argent, mais votre banque verse aussi une commission à la banque concurrente pour le service rendu. Sauf que certaines banques ne paient rien du tout. Oui, ce sont toutes les néobanques, vous savez, les banques directes, les banques en ligne qui n'ont pas d'agence et donc pas de distributeur. Ces banques en ligne séduisent de plus en plus de Français. Bah, leurs tarifs sont très attractifs, normal. Elles proposent souvent des cartes bancaires gratuites. Sauf que les banques traditionnelles n'ont plus envie d'être les seules à financer leur réseau de distributeurs. Hein. Il faut les installer, il faut les entretenir, ça coûte cher. Plusieurs présidents de gros réseaux bancaires voudraient donc augmenter leurs commissions sur les retraits, particulièrement sur les banques en ligne, sur les clients des banques en ligne, qui seraient les banques en ligne qui seraient obligées de faire payer ces commissions. Est-il vrai que de nombreux distributeurs disparaissent, C'est énorme, hein, parce que comme je vous le disais, ça coûte vraiment cher à entretenir. Les Français retirent de moins en moins, donc ça, c'est de moins en moins rentable. Il y a eu 5000 distributeurs qui ont disparu en 6 ans. Il y a vraiment une pression des banques pour faire disparaître les distributeurs. Les responsables politiques, eux, veulent maintenir ces distributeurs. Le Sénat a voté une loi la semaine dernière qui oblige les banques, à chaque fois qu'elles ferment un distributeur, à en ouvrir un autre dans un rayon de 10 km. C'est une loi qui doit encore être validée par l'Assemblée nationale. Il y a des villes. En ville, les distributeurs, il y en a partout. C'est mais surtout à la pour les campagne, zones rurales, en fait, à la que campagne, c'est pénalisant. Dans zone rurale, parfois, pour trouver c'est un distributeur, très pénalisant en zone il faut rurale. Faire du kilomètre. Exactement. Eh oui, eh oui. Merci, Marie.